Bonjour, je vous présente les portes ouvertes de l'école Françoise Comte, école spécialisée dans le design textile et la mode. Suivez-moi. Un atelier de sérigraphie, donc d'impression textile, avec des encres professionnelles, donc des encres à l'eau textiles qui résistent au lavage. La sérigraphie techniquement se présente comme ça, c'est un cadre en bois tendu d'un nylon. Donc nous travaillons nos motifs à partir de papier découpé, à des degrés de finesse assez élevés. C'est vraiment un découpage au cutter sur du film transparent qu'on va maroufler sur le cadre. Il permet en même temps de styliser le motif. Donc le motif animalier, mais travaillé de façon géométrique ou très stylisée. C'est sympa d'avoir un effet tout de suite, enfin, on voit tout de suite ce que ça donne. Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre. Oui. Important quand vous brodez d'avoir un dessin qui soit parfait avec les références de couleurs. De l'année dernière, en tant que designer créateur textile, je me suis positionnée sur une thématique qui est la Terre vue par satellite. Donc comme on peut voir, j'ai des images inspirationnelles. Donc ces images-là m'ont amené une gamme colorée. J'ai amené cela en motif, en création motif. Donc j'ai eu tout un côté cartographie, pixelisation avec l'encodage des images, les petits personnages, la population. Ça peut être aussi des immeubles et des petites voitures vues du ciel. J'ai eu envie de me spécialiser plus dans le textile pour ouvrir les perspectives d'avenir. C'est vrai que c'est quand même une filière qui est ouverte à différents domaines, comme travailler pour la mode, l'architecture, le design. J'ai été prise aux arts décoratifs de Paris, en fait, donc moi je continue mes études en design textile et parallèlement, justement, j'ai pu avoir l'opportunité de développer une marque de bijoux, donc ça, c'est tout, enfin, c'est tout début.